Bonjour, bienvenue aux sessions lunch de Plaque Tournante. Mon nom est Marc-André Mongrain. On a toute une découverte pour vous ce midi. Imaginez un mélange de Johnny Mitchell, Katie Moore, avec des racines mi-portugaises, mi-égyptiennes, et qui vit sa vie entre Montréal et Québec. Ça vous intrigue? On l'a en chanson avec la chanson Don't Stop, Val Thomas. Val Thomas, bienvenue aux sessions lunch de Plaque Tournante. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir ce midi pour cette magnifique prestation. On vient d'entendre la chanson « Don't Stop » qui est tirée de ton premier maxi, « Chronicles from the Cave », qui est paru le 10 novembre dernier. Donc, ça fait déjà un mois à peu près. Tu as fait des spectacles, tu as fait des lancements, tout ça. Et je racontais en début d'émission que, en fait, tu es entre Montréal et Québec parce que tu es né à Montréal. Tu as été étudiant à Québec et... Même si, par exemple, ta chanson « Don't Stop » est très... Bien, toutes tes chansons, en fait, sont très introspectives, parlent beaucoup de toi, de tes sentiments, de ton rapport à la douleur, tout ça. Tu es allé à Québec faire des études en spiritualité, en soins palliatifs, et que ça t'a inspiré à mettre tes chansons de l'avant. Peux-tu m'expliquer un peu comment cette expérience-là a pu t'inspirer des chansons aussi introspectives? Oui. Alors, ben comme... assez peu probable comme cheminement, mais oui, en fait, à travers mes études, j'ai eu contact avec des personnes en soins palliatifs. J'ai travaillé 2 ans dans une maison de soins palliatifs. Et c'est ce contact qui m'a comme réveillée, où j'ai réalisé, oh man, la vie est courte, puis il faut absolument faire ce que je veux, ce qui crie en dedans. Puis il y avait une patiente qui chantait Édith Piaf. Okay. Dans son lit avant de mourir. And I was, c'était comme un moment tellement fort qui m'a profondément touchée et qui reste en moi. Puis je pense que c'est surtout cette femme-là qui a déclenché Ça t'a aidé à réaliser peut-être la puissance que la musique peut avoir dans nos vies, tu sais, quand on est en fin de vie comme ça, puis qu'on se retrouve dans une situation où c'est la musique qui vient un peu transporter notre âme un peu. Wow! Hey, c'est beau! Je pourrais écrire ta biographie. Mais oui, c'est complètement ça, parce que c'est un moment épuré en fin de vie. Alors, il ne reste pas grand-chose. Il reste les relations, il reste ce qui est vrai, dans le fond. Puis, je n'ai pas rencontré une seule personne que j'ai accompagnée qui n'avait pas besoin, d'un moment donné, d'un peu de musique dans leur chambre. Puis, donc, ça fait partie pour moi de cet essentiel-là, la musique. Puis, c'est pour ça que je veux que ça fasse partie de ma vie. Puis, j'aimerais en vivre aussi.
tes chansons sont très personnelles. On sent que tu vas chercher dans tes expériences personnelles, dans ta douleur. Il y avait une phrase dans un article où, en fait, je pense que ça provenait d'une entrevue, je pense que c'est toi qui l'avais dit, mais où tu tentais de faire de la beauté avec la douleur que tu vivais. Donc, tu tentais d'aller chercher cette douleur-là, puis d'en faire des chansons qui sont en fait très magnifiques. Quand on s'arrête pas au texte, ça n'a pas, pas l'air d'une tristesse assommante. C'est, tu transformes ça en beauté un peu. Donc, tu veux... Il y a quelque chose d'un peu presque thérapeutique un peu dans la musique pour toi. Oui, complètement. C'est comme une manière de, pour moi d'accueillir ce qui se vit, de le sentir, de le traverser, puis de le transformer pour comme un petit peu juste faire la paix avec ça, puis pas poser trop de jugement sur les émotions dans le fond. Puis la musique, c'est le meilleur véhicule pour accepter ce qu'on vit, je pense. T'as un père de racines portugaises, c'est ça? Oui. Qui te faisait beaucoup écouter du fado puis de la musique portugaise. C'est étrange, tu disais même que toi, t'as écouté beaucoup du hip-hop quand t'étais plus jeune, tout ça. Pourquoi t'es allée vers la musique folk en ce cas-là? Je crois que le folk se marie bien avec la poésie. Et puis, j'aime beaucoup écrire. Avant de jouer la guitare, j'écrivais depuis très, très jeune. Et je pense que le folk, c'est le style de musique qui est le plus facile à... Pour marier la poésie. Oui, oui. OK. Tu as fait beaucoup de spectacles à l'automne. Donc, pour l'instant, pour 2018, tu n'as pas encore de plan précis, mais j'imagine que ça va être beaucoup vers les spectacles que tu vas te rendre. Ou si ton maxi est juste un aperçu d'un album complet, peut-être qui viendrait plus tard? Oui, ben les deux, dans le fond, c'est ça. Il y aurait des spectacles, j'espère, de plus en plus. Et puis, je prépare l'album. On est en train d'écrire l'album qui s'en vient. On va te laisser donc faire une deuxième chanson tirée de ton EP Chronicles from the Cave. C'est la chanson Fine Line. Yes. De quoi parle Fine Line? Fine Line, c'est ce moment où tu réalises quand tu es en couple avec quelqu'un qu'il y a comme une limite qui ne peut pas être dépassée dans le fond. C'est un peu... ça parle de ça. On t'écoute à l'instant, Val Thomas. Merci. Don't play with my mind, don't play with my mind. I won't be fooled by your sweet eyes, your sweet eyes. Ooh, it's a fine line, fine line. Hey. It's a fine line, fine line. It's not a game, this is real life, real life. It's not a joke, it's something to know. Hold it close and call it home. It's a fine line, fine line. Hey, ooh, it's a fine line, fine line. I won't wait by your bedside for you to rise. See, my patience is wearing thin. I don't know where to begin. Ooh, it's a fine line, fine line. Hey, ooh, it's a fine line, fine. Fine line. Bravo. Merci.
Elle se nomme Val Thomas. Son mini-album Chronicles from the Cave est disponible depuis le 10 novembre dernier. On va vous mettre le lien pour l'écouter et l'acheter sur Bandcamp en commentaire juste ici en bas de votre écran. Drette là, ou si vous êtes live ici à gauche, comme ça. Et donc, on vous invite, évidemment, si vous avez apprécié la performance, de partager la vidéo qui va être en ligne ad nauseam à la suite de cette session lunch. On va revenir la semaine prochaine pour une dernière session lunch de Plaque tournante pour cet automne. Ce sera Joseph Edgar qui sera des nôtres. Manquez pas ça mercredi prochain à midi.